Je suis allé voir le médecin et le médecin il m'a dit bah en fait vous avez une aiguille coincée dans la fesse mais non, gauche genre depuis ici 10 ans. Et en fait il y a une membrane qui s'est formée autour genre elle, Airbnb dans le cul. Elle s'est fait un petit Airbnb incroyable. Dans le cul détente. Félix. Oui. Félix a une aiguille dans la fesse gauche. Autrement dit, Félix a une aiguille dans le cul. Est-ce vrai? Est-ce faux? Alors, est-ce que il l'a constamment depuis une date, par exemple? Félix. Ou Félix a constamment une aiguille dans la fesse. J'ai envie de dire vrai, moi. Alors, vu que je perds tout le temps à ce jeu, je vais te suivre. Ouais. Ouais, j'ai envie de croire parce que si Félix, c'est faux. Qu'est-ce que t'en penses, Hortense? C'est vrai. Alors, Hortense, oui. Alors, c'est d'abord les deux. Mais est-ce vrai ou est-ce faux, Félix? Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Yes. Ah, je savais que je n'avais pas dû m'écouter. C'est vrai, j'ai une aiguille dans le huc. Raconte l'histoire, ça, c'est entre fort. Nous. En fait, ma mère, elle est styliste, elle est couturière et elle laisse tout le temps, elle laisse tout le temps traîner ses affaires. Et quand j'étais petit, mon kiff, c'était de me rouler dans la moquette. Ouais, c'est pas un sketch, hein, mais quand j'étais petit, je kiffais me rouler dans la moquette. Et un jour, je sais pas, je me suis pris une aiguille dans le cul, mais je m'en suis pas du tout rendu compte. Ah ouais. Et je m'en suis rendu compte des années plus tard en me grattant, en fait. Je me gratte comme ça, je suis dans mon lit. Mais peut-être je devais avoir 5 ans et genre j'avais 15 ans quand je... Et en fait, je suis allé voir le médecin et le médecin il m'a dit bah en fait vous avez une aiguille coincée dans la fesse mais gauche, genre depuis ici. 10 ans. Et en fait, il y a une membrane qui s'est formée autour, genre elle, Airbnb dans le huc. elle s'est fait un petit Airbnb incroyable. Dans le cul détente. Je dis, il me dit faut la retirer et tout. Il me dit ouais vous pouvez la retirer mais c'est pas remboursé par la sécu. Je dis on la laisse. Ah, ouais. Dis, on la laisse. Du coup tu bipes à l'aéroport, hein. Et du coup ouais ça m'arrive de biper à l'aéroport. Il te croit ou pas quand tu leur dis non, en fait ça m'est pas en fait non ça m'est pas vraiment arrivé de biper à l'aéroport. C'est à dire que un jour j'ai bipé alors que j'avais déjà tout enlevé, tu vois, toutes mes affaires, etc., les pièces, les trucs, tous les objets métalliques, et là je bipe quand même. Aïe. Et je me dis c'est ça ou pas? Dans la tête, je commence à me dire putain, mais si c'est ça, mais c'est quoi le scénario? Qu'est-ce que je leur explique, quoi? Tu vas le lire, comment ça se passe? Et du coup, j'ai fait croire à 2-3 personnes en racontant cette histoire que je bipais à l'aéroport. Ouais, mais après, je devais avoir une connerie et tout. Et puis après, c'est pas mal comme bio Tinder, ça. J'ai une aiguille dans le cul. Ça... C'est la pire, je pense. C'est ça. Non, mais franchement, je vis avec, je m'en fous. Mais ça te fait pas mal? Ça te fait jamais mal? Ça te pique pas? En fait, c'est parce que je sais pas, c'est pas très grand. Mais si tu fais des squats avec une petite fessée. Ouais, quand tu prends des fessées, ça fait pas mal, non? Moi, je. Il faut Bah, si, ça fait mal, mais j'aime ça! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Vous venez de me percer à jour, c'est un mauvais jeu de mots!